La direction technique. Depuis un temps, on reprochait à Werrason que certaines de ses productions n'avaient pas une très bonne qualité de son. Depuis l'arrivée de Yankim Pouy, c'est lui au fait le directeur technique des productions du groupe Ongi Musica Mesomer, le jeune Yankim Pouy a apporté une petite touche. On pourra le remarquer dans les tout derniers concerts de Werrason. C'est lui au fait qui s'occupe de l'audio et du visuel du groupe, donc du son et de l'image. C'est l'homme qui, avant le concert, fait la balance. C'est lui qui connaît les voix de tous les musiciens, qui essaye d'adapter chacun des micros à la voix de chaque musicien. Il s'occupe, comme je l'ai dit, de la production des images. Il travaille également sur la production des clips. Il prend contact avec les studios où l'artiste doit enregistrer. C'est également lui qui encadre tous les techniciens qui travaillent dans chaque production du groupe Ongi Musica Mesomer. Il s'occupe du matériel, bien sûr, de l'installation du podium, en fait, avec son équipe, l'installation du matériel, l'installation du podium, des instruments, de la lumière, et il coordonne toute l'équipe technique choisie à couvrir chaque événement. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit produire Werrason dans un concert ou dans chaque événement, c'est lui qui s'occupe du côté technique. Il organise également des concerts et les conférences du groupe. Parlons de la direction de finances. Eh oui, Werrason, comme on peut le constater, avec JB Mpiana. Dans leur génération, ce sont des stars qui ont pu mettre en valeur le côté business de la musique. Sûrement avec des grands contrats qu'ils ont signés avec des grandes maisons de la place. Et il existe une direction de finances et commerciale qui fonctionne très très bien au sein du groupe Ongi Musica Mesomer. L'homme que vous voyez s'appelle Bienvenu Tenta. C'est lui qui est le directeur financier et le comptable du groupe. Il s'occupe de toutes les opérations commerciales et bancaires du groupe. Il fait les virements, les entrées, les sorties des fonds et joue aussi sur la comptabilité du groupe. C'est aussi l'homme qui fait le paiement, ça un peu l'agent payeur du groupe Ongi Musica Mesomer. Quand on a une facture à honorer ou à faire honorer au sein du groupe Ongi Musica Mesomer, il faudra tout de suite voir Bienvenu Tenta. La Zamba Playa est un lieu, comme je vous l'ai dit, hautement sécurisé. Pourtant, c'est également un endroit qui génère des recettes parce que à chaque répétition du groupe ou à chaque concert du groupe, il y a un droit d'entrée. 1000 francs pour les répétitions et puis peut-être 5 à 10 dollars pour les concerts. Il existe un gérant, l'homme qui gère toutes les recettes parce qu'à l'intérieur, pour les fanatiques, ceux qui viennent suivre la musique, il y a un petit rafraîchissement qu'on peut s'offrir. L'homme qui gère la Zamba s'appelle Père Spirituel. J'ai cherché un tout petit peu à savoir pourquoi on l'appelle Père Spirituel. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse. C'est lui. C'est lui qui gère les activités. Il s'occupe également de la salle de fête. Au fait, la Zamba Playa fait aussi salle de fête le jour où le groupe ne se produit pas. Au fait, Spirituel, c'est l'homme à voir le jour où on a une petite soif à la Zamba Playa. La danse. Oh, la danse. Il paraît que la chorégraphie du groupe Ongi Musica Mesomer est parmi les meilleures de la musique congolaise. Nous avons essayé de jeter un petit coup d'œil sur l'homme qui s'occupe de la danse. Il existe des danses féminines pour les danseuses et des danses masculines pour les musiciens. Côté danseuse, il y a un homme qui, depuis un temps, commence à apparaître un tout petit peu à la télévision. C'est peut-être pour compenser la faille des danseuses. Il s'appelle Maître Manchester, Mao. Nous l'avons surpris d'ailleurs en train d'enseigner quelques pas de danse à ses danseuses. Il est chorégraphe et il le fait pas mal. Un peu de respect, maman, il y a la diable. C'est ce que je veux dire. Je suis en train de faire un peu de respect.
La danse masculine. Eux, on les appelle des zombies et des chinois. Donc ça dit, c'est un groupe des jeunes qui travaillent en coulisses, mais qui créent des danses, qui créent la chorégraphie du groupe. Et après, les apprend à des musiciens. Nous avons assisté ici à la création d'une danse qu'en principe, les musiciens vont devoir exhiber le 8 novembre, le jour de la grande production du Zénith de Paris. C'est pas facile. Regardez ça. Les zombies, pourtant, restent peu connus, mais peut-être que c'est fait exprès. Ils sont faits pour ça, travailler en coulisses, montrer la danse, et puis voilà, c'est comme, on dirait, les héros dans l'ombre. Lui, je crois que sa tête doit vous dire quelque chose. Monsieur s'appelle Hugues Kitambala, c'est un artiste tout fait. Mais c'est quelqu'un qui depuis un temps fait partie intégrante du groupe Wenge Musica Maison Mère. On le voit tous les jours presque aux côtés de Werrason. Beaucoup se posent la question de savoir mais qu'est-ce qu'il fait. Je me suis permis de chercher à savoir. Au fait, j'ai compris que Hugues Kitambala, c'est l'homme qui gère les relations privées de Werrason. C'est l'homme qui gère un peu les coups de fil du chef, ne vous inquiétez pas trop. Quand vous appelez Werrason et que vous ne l'avez pas, c'est Hugues Kitambala qui répondra gentiment à votre coup de fil. Et puis, il sait rappeler les chefs pour tel ou tel autre rendez-vous privé qu'il doit respecter. C'est aussi pire petit mot confia de Werrason, quoi. King Tequila, c'est l'homme qui, pendant l'époque de la grande rivalité des Wenge, a joué un rôle très signifiant. C'est un peu le collègue, le concurrent direct de Roger Ngandou de Wenge BCBG. Aujourd'hui, l'homme évolue en France. Mais c'est un peu l'ambassadeur et le représentant du groupe Wenge Musica Maison Mère en Europe. Il prend des contacts, il parle au nom du groupe et il organise les fan clubs de Werrason et de Wenge Musica Maison Mère en Europe. King Tequila est à Kinshasa pour nous parler des préparatifs du zénith du groupe Wenge Musica Maison Mère. En sortant de la Zamba Playa, je rencontre un homme, petit détail, mais que tout le monde respecte, avec un respect plus ou moins majestueux. Je me pose la question de savoir qui c'était. On le prend pour le grand-père du groupe. Il rigole avec tout le monde, mais fais gaffe, c'est l'oncle de Werrason. Mais qu'est-ce que l'oncle de Werrason vient donc faire aux répétitions de Werrason? Il s'appelle Nico Boakongo. Au fait, c'est le conseiller artistique du groupe. C'est lui qui apporte les pas traditionnels au groupe. Il a travaillé dans Afrisa International. Il a également été aux côtés des Aiko. Il a travaillé également dans Wenge Musica Tout-Terrain 4x4. Aujourd'hui, il évolue aux côtés de Werrason. Il s'appelle Nico Boakongo. C'est le conseiller artistique du groupe. Voilà, maintenant que vous avez bien compris le groupe Wenge Musica Maison Mère, inutile de vous inquiéter quand il faut aller au concert de Werrason, ou encore, vous savez qui voir si vous avez envie ou besoin de rencontrer.